Et yo tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Detroit Become Human. Sur ce, bon visionnage. Thank you.
Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10h. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la... La différence entre toi et moi. Un vrai Marcus, toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hey. Qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements ? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Carl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui ? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre ? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo ? Non, Carl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Télévision. Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner. Ouais. D'accord, Carl. À la Russie et aux États-Unis de reprendre immédiatement le dialogue avant que la situation
Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer. Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Alors, quel est ton verdict, Marcus ? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre ? Mais enfin, peindre quoi ? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. C'est une copie conforme de la réalité.
Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Salut, papa. Léo ? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein ? Tu vas bien ? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore ? Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé, mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.